On avait une question concernant les réseaux de chaleur qui ont été brièvement abordés lors de la discussion à propos des besoins en investissement pour le futur réseau national. Voilà, est présenté comme une option qui pouvait potentiellement être intéressante. La question est, quel est l'impact du développement de ce type de solution et plus largement du développement de microgrids et de solutions hors réseau sur ce futur réseau voilà, à construire et dans lequel il faut investir? Et est-ce que le pilotage du développement de ce type voilà, de solutions hors réseau peut également être un outil afin d'optimiser la demande future et ce futur réseau et les enjeux auxquels il va devoir répondre? Alors, je réponds sur les réseaux de chaleur parce que les mini-réseaux hors grid, c'est quand même un peu particulier. Mais sur les réseaux de chaleur, d'abord, les réseaux de chaleur permettent d'exploiter des sources de chaleur qui sinon ne sont pas exploitées. De la chaleur fatale, de la géothermie, la chaleur ou le froid des rivières, etc. Or, dès que vous voulez faire fonctionner une machine de Carnot, il vous faut une source chaude, une source froide. C'est beaucoup plus compliqué à faire au niveau individuel que quand vous avez une installation à taille industrielle, etc. Donc, les réseaux de chaleur sont, pourvu qu'on essaye de se poser la question de quelle énergie est disponible localement et peut être mobilisée massivement, sont normalement intrinsèquement efficaces en énergie et apportent une bonne solution. Alors, un certain nombre d'entre eux ont besoin d'un complément sous forme de biomasse et de gaz pour pouvoir être actionnés quand il fait vraiment très froid, etc. Donc, le réseau de chaleur n'est pas antinomique avec le développement d'un réseau de gaz. On peut penser, par exemple, pour la production en hiver, d'avoir des grosses piles à combustible sur réseau de chaleur, puisqu'une pile à combustible, ça produit à la fois de l'électricité et de la chaleur, et donc d'utiliser la chaleur dans le réseau de chaleur et l'électricité en pointe en hiver quand on en a besoin. Donc réseau de chaleur et hydrogène, ça peut présenter des synergies intéressantes avec soit avec une turbine à hydrogène, soit avec une pile à combustible à hydrogène. Même chose avec le gaz naturel, vous pouvez avoir une petite installation de cogénération. Et en hiver, quand en général vous avez besoin à la fois de chaleur et d'électricité, vous produisez les deux en même temps. Les réseaux de chaleur, ça permet aussi d'actionner des ressources comme la biomasse, etc. Donc, les réseaux de chaleur, il faut les développer. Le problème, c'est que, par définition, un réseau de chaleur, c'est en ville et que nous savons que nos concitoyens ne sont pas toujours ravis quand on fait des trous en ville. Donc, ça prend du temps. Donc c'est lent, mais partout où on peut faire des réseaux de chaleur et exploiter de la géothermie, il faut le faire. C'est une solution énergétiquement évidente. Et idem pour les réseaux de froid, soit dit en passant. Parce que là aussi, on est plus efficace à produire du froid massivement et à le distribuer qu'à produire du froid individuellement avec des climatiseurs surtout mal entretenus. Je me permets de rebondir du coup sur la réponse concernant les réseaux de chaleur et d'ajouter une question personnelle. C'est concernant justement cette question des trous en ville et des impacts sociaux. Alors, comme vous l'avez dit, les réseaux de chaleur, il a forcément beaucoup d'impact dans des zones denses en termes d'habitation. Alors, comment justement en tant qu'entreprise et en tant également que partie publique faire pour gérer cet aspect-là et faire en sorte de développer de manière effective ces solutions là où elles sont pertinentes. Et est-ce que voilà, ces aspects, cette réticence sociale est quelque chose qui peut être géré ou qui risque au final de tuer un peu dans l'œuf ce type de solution dans de nombreux endroits? Non, c'est compliqué, mais en général, on arrive à le gérer. La technique bien connue étant de faire les trous en début de mandat de la municipalité pour que les inconvénients soient en début de mandat et les avantages en fin de mandat, parce que là, à ce moment-là, les gens ont un réseau de chaleur qui marche et qui leur fournit de la chaleur pas trop chère, et donc ils sont contents de leur maire. Bon, simplement, ça prend du temps, mais on arrive à faire des projets. Il y a un grand projet actuellement en développement à Rueil. Il y a en région parisienne, il y en a beaucoup, il y en a Vélizy, il y en a, etc. Donc on arrive à le faire, simplement ça prend du temps. Ça prend du temps parce que toucher à la zone urbaine, c'est toujours compliqué. Alors il y a eu des progrès récents faits en France qui est que maintenant les maires peuvent décréter de facto une obligation de raccordement dans certaines zones. Donc ça facilite le développement des réseaux urbains parce que quand il fallait convaincre les clients un à un, vous arriviez à des réseaux qui étaient complètement sous-utilisés
où le ratio entre la distance, la longueur du réseau et le nombre de clients était trop faible. Maintenant que vous pouvez pratiquement imposer le raccordement, ça favorise le développement des réseaux de chaleur. Mais ça reste quelque chose qui prend du temps à cause des permis, à cause de la longueur des travaux. C'est pas forcément des travaux très simples en ville de faire ça.